Ceci supprime le tartre de vos dents juste en 3 minutes. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin afin que vous sachiez comment enlever le tartre efficacement et même d'autres troubles bucco-dentaires avec juste ces remèdes de grand-mère. Ceci de façon définitive sans avoir à aller chez le dentiste. Si vous aimez l'idée de prendre soin de votre corps et de votre santé bucco-dentaire comme dans cette vidéo, alors pensez à vous abonner sur cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification. Activez bien toutes les notifications pour toujours recevoir nos vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à me dire depuis quel pays est-ce que vous me suivez. Vous savez à quel point cela me rend heureuse. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, nous allons parler de la bouche, des dents. Que ce soit sur votre lieu de travail, en famille ou même entre amis, au cours des dernières décennies, l'hygiène bucco-dentaire est quelque chose que nous devrions tous consacrer en temps nécessaire et encore plus. C'est pourquoi nous devons prendre soin de notre santé bucco-dentaire, entre autres le soin de base qui est l'élimination des tartres et même des odeurs. C'est l'un des plus importants dans la santé dentaire. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner ici 5 remèdes maison absolument incroyables dont vous n'auriez pas soupçonné l'existence et encore moins l'utilisation. Avant d'aller plus loin, je vous invite à regarder ceci jusqu'au bout pour ne rien rater. Au passage, partagez ceci avec la famille, les amis, via les réseaux sociaux. Ceci pourrait aider énormément de personnes. En numéro 5, ça c'est ma recette phare, nous aurons le céleri. Personnellement, c'est la recette que je préfère, simple, très facile et définitivement accessible à tout le monde. D'ailleurs, ceux qui l'ont testé dans mes précédentes vidéos me le disent dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà testé et ce que ça a donné pour vous. Je suis sûre que vous allez adorer. Avant toute chose, parlons déjà du tartre en lui-même. Savez-vous vraiment ce que c'est que le tartre dentaire et pourquoi est-ce que cela se produit? Ceci n'est rien d'autre que le reste de nourriture qui se coince entre les dents et s'accumule au fil du temps en formant des plaques calcifiées qui vont adhérer à l'émail de vos dents, en particulier en dessous de la limite des gencives, causant des cavités, des infections dans les gencives qui peuvent vite se compliquer et causer des muguets ou même l'halitose ou encore ce qu'on appelle communément la mauvaise haleine. Donc voilà, je vous présente ici les solutions. En numéro 1, vous aurez une solution à base de bicarbonate, de sel, de peroxyde d'hydrogène. Ingrédient pour ce rinçage à base de bicarbonate, de sel et d'eau oxygénée, qui est un antiseptique buccal spécial et aussi un petit peu d'eau tiède, vous aurez besoin. Instruction. Ces instructions vont se faire en 4 petites étapes. Étape numéro 1, prendre une cuillère à café de bicarbonate de soude ou même de sodium. Mélangez avec une cuillère à café de sel à l'aide de votre brosse à dents. Mélangez bien le tout avec un tout petit peu d'eau tiède. Puis, plongez votre brosse à dents dans le mélange de bicarbonate de soude et de sel. Brossez-vous les dents et crachez bien le tout en expulsant les déchets liés à ce processus. Répétez ceci en espaçant d'environ 5 minutes pour laisser à chaque fois le temps au tartre de se ramollir. Étape numéro 2, faites votre propre rinçage en une seule minute. Ceci se fait en deux parties, une partie avec le peroxyde d'hydrogène et l'autre partie avec de l'eau chaude. Et soyez prêt à la fin à rincer, mais cette fois avec de l'eau froide, car sachez que le chaud froid plus le peroxyde d'hydrogène ramollit et décolle très vite les tartres. Étape numéro 3, il est temps d'enlever le tartre avec un petit bâton de bambou, du fil dentaire ou même une petite tige métallique dentaire en veillant à faire très attention à ne pas blesser les gencives. En dernière étape, vous devez vous rincer la bouche avec un antiseptique, n'importe lequel. Hein. Vous pouvez l'avoir en pharmacie, voilà, en parapharmacie, dans le supermarché, comme vous le voulez. En numéro 2, comme je disais, il y a les fruits et les légumes. Vous pouvez manger des fruits et des légumes crus. Sachez que ceci est utilisé pour vous débarrasser de la formation en continu des tartres sur les dents. La procédure consiste simplement à mâcher des fruits. Ceci vous permettront de nettoyer les dents pendant que vous les mangez. Vous pouvez choisir par exemple des goyaves, des pommes, des carottes ou même encore de l'ananas. Ces fruits sont exceptionnels et luttent contre la mauvaise haleine. En numéro 3, nous avons le clou de girofle. Cette recette est très connue par beaucoup de monde et ont la capacité d'éliminer les mauvaises odeurs dentaires, lutter contre les saignements. Si vous avez des douleurs aux molaires, celles-ci agissent comme un puissant antiseptique
Pour cela, faites écraser ou même faites moudre. Ensuite, appliquez sur la zone touchée. Laissez-les là pour un petit peu de temps, le maximum que vous puissiez supporter. Pour éliminer le tartre, il vous suffit simplement de mettre de l'huile de girofle aussi sur les gencives pour faciliter le retrait des tartres dentaires définitivement. En numéro 4, nous avons le charbon végétal actif. Cette recette aussi est très bien connue. Ce remède peut paraître bizarre à cause de la couleur caractéristique noire du charbon, mais l'action que ceci provoque, le résultat est visible presque immédiatement. Le processus est simple. Il suffit de vous brosser les dents avec cette poudre de charbon actif pendant environ 3 minutes. Par contre, assurez-vous bien que le charbon que vous utilisez est d'origine naturelle. C'est pas la peine de vous empoisonner avec des produits toxiques. De ce fait, vous pourrez profiter de leurs propriétés et de leurs vertus exceptionnelles. Enfin, mon remède préféré, le numéro 5. Le persil permet de lutter contre les tartres. Ce remède est très facile à faire. Vous ne devriez couper qu'environ 2 à 3 feuilles de persil. Vous devez les moudre et les mettre sur vos dents comme ceci. Laissez travailler pendant quelques minutes, puis rincez à l'eau. Une fois que vous faites ces remèdes, ou certains d'entre eux, il est important que vous mettiez en pratique ces astuces de brossage afin que vous soyez sûr de rester éloigné des tartres et autres problèmes qui affectent la santé bucco-dentaire et pour prévenir bien sûr l'apparition de nouvelles tartres. Il est donc très important de vous brosser les dents avec du dentifrice pour contrôler le niveau de tartre qui arrivera dans la bouche. Pensez aussi au film dentaire. Voilà, dites-moi dans les commentaires lequel de ces remèdes et laquelle de ces recommandations vous avez le plus aimé et vous seriez prêt à mettre en pratique. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire ou même un cœur. Cela me fera grand plaisir dans les commentaires. Pensez aussi à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Abonnez-vous, likez et commentez. Bisous, bisous!